Zohar, Parashat Vayikra, Yom Rishon. Vayikra el Moshe vedaber Hashem elav, Meuel Moed Lemor. Donc Hashem appela Moshe et lui dit à partir de la tente d'assignation. Et Bichia Patar Veamar, Bichia, comment s'expliquer? Il est écrit dans Shir HaShirim. Bati Legani Achoti Kala, Aliti Moririm Besami, Achati Ahari Imdivshi, Shachinin Imchalavi, Begomer. Il s'est écrit, je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. J'ai pris mon myrrhe et mes épices. J'ai mangé mon miel. Et j'ai bu mon vin avec mon lait, etc. Yakera alavre chesefe, vela sefe reche. Il dit, c'est difficile de comprendre ce passage. Le début n'est pas un début, la fin n'est pas une fin. C'est difficile de comprendre. Il dit Kétiv, il est écrit Achati Harim Divshi. Il dit donc, j'ai mangé Yahari Im Divshi, Shatili Mchalavi. Il dit Yahari, en anglais on dit Honeycomb. Et donc j'ai bu mon vin avec mon lait. Mais après c'est écrit Ichrulaim. Il dit eux ont mangé. Il dit donc c'est difficile. Il dit Mande mesamen lachara kad mezon ametekan kame. Il dit on peut comprendre que quelqu'un qui invite quelqu'un d'autre à manger, hein, c'est quand il a le manger qui est devant lui. Et donc il peut inviter une autre personne à partager son repas. Mais s'il a déjà tout mangé, comment est-ce qu'il peut inviter un autre? Alors comme ici, quand ici dans Shir HaShirim, il dit, j'ai mangé mon miel, j'ai bu mon vin, j'ai bu mon truc. Alors comment tu peux inviter quelqu'un d'autre? Tu as déjà tout mangé toi-même. Hein? C'est ça le point. Ce n'est pas écrit « ochlib », ce n'est pas écrit au pluriel. C'est écrit « je mange, je bois ». Et là, « zakain inon Israël, dekucha berichu, ba'al edaka alehon ». Mais heureux le sort de Israël qu'Hachem a voulu les purifier de leurs péchés. Et des rebehon mikoshe amin, qu'ils a choisi parmi tous les peuples. Mitadae behon baal et salka lod mikol mekatregele alma. Et qu'il a voulu d'eux, et donc il les a éloignés de tous les accusateurs. Et c'est pour cela qu'il les a commandé d'amener des korbanot, des offrandes. Tachazé, regarde. Peyoma, dedkam mishkena letata, bahu yoma, itekam mishkena achara, leela ime. Il dit le jour où a été construit le Bet HaMishkan ici, en même temps a été construit un Mishkan spirituel dans le monde en haut. Dirtiv, rukam HaMishkan, ça m'est écrit, et le Mishkan a été établi. Shekol el gam, Mishkan Elion, donc il inclut aussi le Mishkan Elion, le Mishkan d'en haut. Il dit donc ce jour-là, il y a eu la joie de Kadosh Baruch Hu. Il dit que va un des cas Mishkena, Maketi, parce que dès que le Mishkan a été construit, qu'est-ce qu'il est écrit? Il y a Chol Moshe Lavo Elo El Moed, Kad Hamakucha Baruch Hu, car il dit écrit que Moshe ne pouvait pas venir à la tente d'assignation. Et quand Hachem a vu que Moshe était à l'extérieur, il a dit. Est-ce que c'est possible que ce soit ainsi et que Moshe qui lui a construit le Mishkan et qui soit tenu à l'extérieur? Il dit Mia veikra Moshe. Tout de suite il appelait Moshe. Il appelait et dit Chanuka de Beta Bebahave. Il dit quand on fait une Chanuka Tabait, une inauguration, comment est-ce qu'on a fait? Il dit Soudata, en faisant une Seuda. Il dit alors c'est pour ça donc qu'il a donné l'ordre, le commandement de faire les korbanot. Adaudirtiv, comme il est écrit, Bati les gani, achotikala, vegober, verok moi, ikara, parce qu'il est écrit, Bati les gani, je suis venu dans mon jardin. Il dit donc, on voit qu'il y a un remez, une allusion à tout ce qui est écrit donc dans Shir HaShirim, j'ai bu mon vin avec mon lait, etc. Un remez au korbanot. Mais on peut dire aussi une autre explication. Il dit, je suis venu à mon jardin. Si on parle du Gan Eden, Elion,
Le Gan Eden Elyon correspond à Chochma Ubina. À Rotikala, c'est Dakenesset Israël. Il dit donc, ma sœur, ma fiancée, correspond à Knesset Israël, qui est le Malchut. Puisque dans ce jour-là, quand le Mishkan a été construit, il y a eu tous les Yehudim de toutes les